Bienvenue sur Data Center 360. Merci beaucoup. Je voudrais demander une faveur. Pendant mon intervention, je souhaite qu'on écoute. Dans un meeting, il y a les animations au début et à la fin. Mais honnêtement, écoutons-nous d'abord. Les distractions, on en a fait, on a le temps de le faire. Parce que le message que je vais délivrer ne doit souffrir d'aucune confusion. Que personne ne vienne dire qu'il n'a pas entendu ce qu'on voulait dire. Et donc, pas de bruit, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à tout le monde. Chacun d'entre vous pouvez être président, pouvez être responsable du M5-RFP. Je vais donc faire l'économie des titres. Je voudrais d'abord, en votre nom, m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes militaires et civiles que la crise, de la crise que nous vivons. Mais tout près de nous, actualité oblige, je voudrais aussi en votre nom m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes des inondations de ces derniers jours. À Bla, à Bamako, à Ségou, à Gao, à Nsongo. Et notre solidarité à toutes les victimes, à toutes les familles, à toutes les personnes qui ont souffert de ces inondations. Que dire des victimes de Sikasso, de Ségou et de Bamako les 10-11-12 juillet 2020? Et bien entendu, les victimes civiles et militaires de la crise que nous vivons. Je voudrais donc que vous priez avec moi pour le repos de leur âme et exprimer notre solidarité avec ceux qui sont restés vivants. Je voudrais aussi dire clairement que ce meeting se tient, bien entendu, avec la bénédiction de Dieu, sous le regard attentif des présidents des pays membres de la Confédération de l'AES. Je voudrais parler du président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, le capitaine, du président de la transition malienne, son excellent le colonel Assimi Goïta, du président de la transition du Niger, le général de brigade Abdrahmane Tchani. Je voudrais leur exprimer toute notre satisfaction pour l'acte historique qu'ils ont posé le 6 juillet à Niamey en mettant sur les fonds baptismaux la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, après cette introduction, je voudrais m'arrêter un tout petit peu pour que les uns et les autres comprennent pourquoi ce meeting. Il y a beaucoup de ce que j'appelle les ignares triomphants qui sont sortis et d'autres qui ne comprennent rien. Il y a même certains, ce que j'appelle les M5 défroqués, bon, qui sont sortis sans savoir pour donner leur interprétation de pourquoi ce meeting est convoqué. Bien entendu, à ces deux groupes se sont joints aussi ceux que j'appelle les agents doubles, ceux qui sont avec tous les régimes, ceux qui avaient prédit la chute du M5, l'échec, mais le lendemain, ils ont changé de veste,
qui sont devenus les grands défenseurs de la transition. Nous les connaissons. Hein. Et donc ces messieurs se sont mis à notre place sans attendre, à donner leur interprétation de l'objectif de ce meeting. Eh bien, je vais vous dire pourquoi ce meeting a été convoqué par le M5-RFP et toutes les forces réellement acquises au changement. Beaucoup ne sont pas dans cette salle, mais je suis sûr qu'ils nous suivent. Ce meeting, d'abord, est convoqué pour commémorer le 18 août 2020, le jour de changement de paradigme politique au Mali, le jour de la naissance du changement que nous sommes en train de vivre. Même s'il y a eu des tâtonnements au début, mais le 18 août, personne ne doit l'enterrer. Nous ne permettrons à personne de banaliser le 18 août et faire comme si rien ne s'était passé. C'est donc pour commémorer ce jour où le peuple malien et ses forces armées et de sécurité se sont retrouvés pour redonner confiance au Mali et à l'Afrique. Vous avez vu qu'après, il y a eu le Burkina, il y a eu le Niger, il y a eu l'AES. Je suis convaincu que d'autres suivront. Et donc le point de départ, c'est le 18 août. Il ne faut donc pas que nous permettions, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque complexe que ce soit, parce qu'il y en a qui sont complexés, de banaliser cette date-là. Il y a bien sûr beaucoup de bruit, beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, souvent mauvaises d'ailleurs, par rapport à ce combat. Le troisième objectif, le deuxième, dis-je, c'est de soutenir les FAMA, les braves forces armées de sécurité. J'ai l'habitude de les appeler les Monébodéons. De Boana. Nous étions perdus. Nous avions perdu l'espoir. Nous avions perdu notre pays. Ce sont les FAMA, au prix du sacrifice ultime, qui nous ont restitué notre honneur, qui nous ont redonné la confiance, qui ont redonné confiance à l'Afrique et à tous les progressistes du monde. Aujourd'hui encore, des hommes continuent de tomber. Pendant que nous nous réunissons ici, il y a quelques ignares qui ont dit qu'il faut nier qu'il y ait même des morts. Je pense que s'ils étaient dans un autre pays, on allait les amener au front pour qu'ils comprennent ce qui se passe là-bas. Il ne s'agit pas de nier ce qui se passe, mais de le reconnaître et saluer ceux qui sont restés vivants et les encourager à continuer. Nous avons dit très clairement que dans la bataille actuelle, le Mali est comme une personne qui grandit. Vous tombez, vous vous levez, vous tombez, vous vous levez, jusqu'au jour où vous arrivez à marcher directement. Et c'est pour cela que j'ai dit que l'armée malienne peut perdre des batailles, mais elle va gagner la guerre. Elle va gagner parce que gagner, s'il vous plaît, les klaxons, il faut les garder pour après. Ceux qui sont venus pour écouter les klaxons, ce n'est pas ceux qui sont majoritaires ici. Les gens sont venus pour écouter ce qu'on va dire. Ceux qui sont venus saboter aussi, il ne faut pas qu'ils profitent de ce meeting pour empêcher que les Maliens écoutent leur message. Nous nous connaissons dans les meetings ce qui se passe, hein. Il y a certains qui trouvent des vuvuzelas, là, ils se font filer entre les jambes pour qu'on n'entende pas ce qu'on dit. Ils se mettent à dire ce qu'ils veulent. Ce que je voudrais dire, c'est que notre armée, nous n'allons jamais oublier ce qu'elle nous a fait. Reconnaissance éternelle aux femmes.
reconnaissance éternelle aux FAMA. Là, le troisième objectif, pour toujours rester dans la même ligne, c'est que les FAMA vont continuer à gagner la guerre. Personne ne nous empêchera de réussir notre guerre, qui est une guerre juste. C'est ce que je voulais vous dire. Le troisième objectif de ce meeting, que vous avez montré à ceux qui sont venus saboter, qui sont venus sur un terrain composé d'hommes et de femmes convaincus. Je disais donc que le troisième objectif du meeting, c'est de rappeler pour que personne n'oublie les principaux objectifs que le peuple malien a poursuivi pendant des mois de manifestation. Autrement dit, les objectifs du changement. Il y a plusieurs mesures, mais je vais les résumer en cinq. Premièrement, le peuple malien a exigé la sécurité. Et aujourd'hui, personne ne peut nier la montée en puissance des forces armées maliennes. Deuxièmement, notre peuple avait exigé, à travers la lutte du M5-RFP, la lutte contre la corruption et l'impunité. La corruption avait gangréné toute la société, a désorganisé le système éducatif, a désorganisé l'armée, a désorganisé la société, a voulu dissoudre le peuple malien. La lutte contre la corruption et l'impunité. Troisième objectif, le peuple malien avait demandé et exigé des réformes politiques et institutionnelles pour que le pays ne retombe plus dans le désordre. Le quatrième objectif du peuple malien autour duquel nous nous réunissons aujourd'hui, c'est une application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sous quelques conditions. Ne pas toucher à l'intégrité territoriale du peuple malien, de notre territoire, à l'unité nationale, à la forme laïque et républicaine de l'État. Nous avons ensuite demandé qu'il y ait un accord pour l'équilibre de la société, pour que nous ayons un État stable, un accord politique à l'issue duquel le gouvernement et les syndicats établiront un pacte social pour le développement et la stabilité. Je voudrais ici, de façon particulière, comme je l'ai fait pour les forces armées de sécurité, féliciter les syndicats. Vous savez qu'aujourd'hui, si nous avons un État stable, c'est parce que les syndicats ont joué le jeu. Dans beaucoup de forces étrangères ont démarché les syndicats au Mali. Elles n'ont pas réussi. Ces syndicats, c'est l'UNTM, c'est la CSM, c'est la CDTM, c'est la CMT. Ces syndicats font honneur aujourd'hui au peuple malien. Mesdames et messieurs, je voudrais dire cela pour éviter l'actuel silence, j'allais dire la falsification de la lutte du peuple malien et du M5-RFP. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi rappeler, dans ce monde actuel, lorsque les gens veulent déstabiliser un pays, ils s'attaquent au sommet,
où ils nous coupent de la base. Notre démarche, c'est de désorganiser nos forces armées de sécurité. Vous aurez remarqué, après la transition, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chefs d'État, les chefs d'État-major général des armées, le ministre de la Défense, ils les ont traînés dans la boue pendant 7 ans. Pourquoi? C'était des complots ourdis pour que nous perdions confiance à notre armée. Heureusement, les Maliens ne sont pas dupes. Nous avons des militaires de qualité qui ont perdu 7 ans pour rien. On les a traînés dans la boue. Heureusement que la vérité a fini par s'imposer. On a aussi essayé de confronter les corps de l'armée. Tout cela, c'est des manipulations politiques. C'était pour nous affaiblir. Nous n'allons pas céder à cela. Je voudrais, dans cette salle, saluer ceux qui sont venus de très loin, bien sûr, de Sikasso, de Ségou, de Kaï, d'un peu partout. Certains sont même venus de Gao, je les vois dans cette salle, malgré la situation difficile que nous vivons. Mesdames et messieurs, vous rappelez, je vous avais dit au début de notre mission, je vous ai édicté un certain nombre de valeurs auxquelles j'ai demandé que nous nous en tenions. Je remercie les forces patriotiques regroupées au sein du M5RF. Ceux qui n'étaient pas là par des calculs, qui sont restés. Je vous avais dit de faire la politique au sens noble du terme, de faire en sorte que ce que les Maliens espéraient avoir, qu'il l'est. Deuxièmement, que tout ce qui est possible, que nous fassions tout pour le réaliser pendant la transition. Je vous ai dit que pour cela, l'alliance stratégique entre le M5-RFP et les forces armées et de sécurité était le seul gage de la réussite de la transition. Et c'est pour cela que je vous avais dit que personne, aucun calcul, ne doit amener personne à faire des échafaudages avant que je n'en discute avec ceux qui représentent les forces armées de sécurité. Lorsque vous aurez les conclusions, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas avant. Tous ceux qui font des calculs, des échafaudages, sont là en fait pour faire échouer la transition. Ils ont d'autres agendas. Il y a bien sûr les agents doubles, les doubles visages, ceux qui changent de veste, changent de position politique comme ils changent de chemise, qui sont venus s'incruster pour se faire passer pour les nouveaux amis de la transition, qui nous donnent des leçons. N'écoutez personne. Notre allié, ce sont les représentants de l'armée. Et toute l'armée, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle, parce que d'autres sont en train de mourir, d'autres sont en train de se battre. Leurs représentants, ceux qui parlent à leur nom, sont nos interlocuteurs les plus crédibles. Parce qu'eux, ils risquent leur vie. Ceux qui sont en train de parler dans les médias, dans les radios, dans les télés, ils prennent l'argent, ils mettent en poche, ils sautillent comme des cabris. Mais ils ne perdent rien. Mais ceux qui risquent leur vie, c'est eux les alliés du M5-RFP. Et nous devons être à leur écoute. Je vous avais dit aussi qu'il faut qu'on ait du courage politique. Je vous avais toujours dit un proverbe bamana qui dit que Marigot, il y a des caïmans. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Donc le chemin sera dur. Il faut que nous ayons notre courage pour pouvoir arriver et faire le discernement entre ce qui est secondaire et ce qui est accessoire. Un homme qui grandit, il tombe malade, une maman frappe son bébé, un père frappe son bébé, mais dans un regroupement, c'est ça, il y a des moments où on ne se comprend pas. L'essentiel, Anga Koto Nyogontala, pour avancer, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons quelques nouveaux amis de la transition qui sortent sur chaque petite contradiction pour faire le buzz et se faire reconnaître par les Maliens.
Nous ne sommes pas dupes. Les militaires aussi ne sont pas dupes. Ils laissent chacun sautiller. Vous savez, Amadou Ampateba dit que l'alcool, le pouvoir, c'est comme l'alcool. Le pouvoir, c'est comme l'alcool. Le premier verre, tout le monde sautille comme cabri. On est très content. Eh bien, ces messieurs-là, ils sautillent comme des cabris. Deuxième verre. Quand je dis ces messieurs, je parle de ceux qui, les faux amis de la transition, qui sautillent dans les médias. C'est tous les Maliens. Deuxième verre, on devient très fort. On est menaçant. On connaît tout. Tout le monde vous suit. Ils veulent nous amener dans ça. Nous n'allons pas nous tromper. Il faut garder la tête froide, être modeste. Nous n'allons jamais apparaître comme un lion. Parce qu'après cette étape, Amadou Ampateba a dit qu'on devient comme un cochon. On détruit tout ce qu'on a construit. Or, nous ne voulons pas nous droguer, nous ne voulons pas être des cabris, nous voulons marcher lucidement, la tête froide. Nous allons rencontrer des difficultés entre nous et nos partenaires. Mais l'essentiel, c'est le Mali. Les petits calculs, ceux qui changent d'alliance tous les jours, nous ne sommes pas de cette engeance. Je voudrais aussi vous dire que certains croient que c'est en nous intimidant ou en comptant sur des forces étrangères que notre pays peut s'en sortir. Les forces armées de sécurité du Mali, avec le soutien du M5RP du peuple malien, sous le leadership du président de la transition, accompagné de ses compagnons d'armes, avec à ses côtés le ministre de la Défense, le ministre directeur chargé des services de renseignement et de sécurité. Mais c'est eux qui battent l'ennemi. Nous avons bien entendu notre Conseil national de transition. Au début, nous n'étions pas d'accord, mais on a fait un accord. Nous avons signé, nous nous sommes entendus sur un pacte d'honneur le 24 mai 2021. Pour que l'organe législatif qui est au Mali, de façon conditionnelle, nous l'acceptions. Il y a des gens qui sont réveillés en retard, qui sont venus dire, mais vous avez dit que l'organe était illégal et illégitime. J'ai dit, mais vous êtes réveillés à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. On a fait nos négociations dans la nuit du 24. Vous étiez en train de dormir. Vous réveillez le 24, le 25 dans la journée, vous n'avez fait pam, qu'ils ont dit que c'est illégitime. Mais ils n'ont rien compris. Mais j'ai dit tout ça pourquoi? Parce que si vous voulez que le gouvernement agisse, si vous voyez que le gouvernement agit, c'est parce qu'il a eu l'autorisation, c'est parce qu'il a eu le quitus du Conseil national de transition. Et ce Conseil national de transition, il y a eu des débats houleux, comme dans tout parlement. Les gens ne sont pas d'accord souvent, il faut expliquer, ils attaquent. Mais à la fin, le président du Conseil national de transition a pesé de tout son poids pour donner le quitus au gouvernement le 3 août 2021. Mais les uns et les autres croient que nous, on va oublier ça parce qu'on est mécontent un jour. Un jour, on se réveille à des maux de tête, des maux de ventre. Nous ne perdons jamais de vue l'essentiel. Ceux qui sont venus représenter l'armée avec lesquels nous avons discuté. Je précise bien le 24 mai 2021. Dans la nuit, la délégation était dirigée par notre, je dis souvent avec son calme olympien, il nous l'a montré ce jour d'ailleurs, l'actuel ministre de la Défense. C'est lui qui a conduit la délégation des militaires. Nous avons conclu un pacte d'honneur. Moi, je m'en tiens à ça jusqu'aujourd'hui. Entenez-vous à ça. Tous les débats qu'il y a, tous les coups bas, les courtous,
les petits parentaux là, il ne faut pas les suivre. Parce que quand vous voulez atteindre des grands objectifs, il faut faire la part des choses entre ce qui est accessoire et ce qui est secondaire et ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est les résultats que la transition a atteints. Personne ne doute aujourd'hui des réussites dans le domaine de la sécurité. Nous avons remercié toutes ces forces étrangères qui étaient un voile qu'on nous a mis sous la tête. Je crois que certains Maliens, je les entends ces derniers jours, dire oui, il faut négocier avec les terroristes. Les populations de Mopti, de Tombouctou, de Gao, de Menaka, de Kidal, de Tessalit, il faut que ça soit dit, entendu par les nouveaux amis du M5. Ils n'accepteront jamais subir l'humiliation encore que notre peuple a subi pendant 30 ans. Lorsque des citoyens maliens se mettent à assumer un acte terroriste, la tuerie des populations qui étaient dans le bateau de Tombouctou. Mais ceux qui assument cette tuerie-là, vous voulez qu'on aille négocier sans parler? Il faut les poursuivre et les juger. S'ils veulent des négociations, mais ils reviennent comme des Maliens, ils se mettent sous le coup de la justice, elle peut les libérer, les Maliens peuvent pardonner, mais les humiliations que nous avons subies pendant des années, nous n'allons pas les oublier. Je voudrais vous rappeler quelques exemples. Vous rappelez ici, parce que les autres comptent sur l'oubli des Maliens, la mort dans l'âme. Nous avons suivi des humiliations pour le peuple malien. Jusqu'à la rectification au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est des ministres et des ambassadeurs d'autres pays qui lisent les résolutions concernant le Mali. Le ministre du Mali est assis en arrière. À partir de la rectification, c'est fini. C'est notre ministre. Et c'est pour cela que nous avons demandé à partir de 2022 que les pays qui soutiennent les terroristes, nous avons les preuves. Je profite pour réitérer cette demande du Mali, que le Conseil de sécurité organise une session spéciale pour que nous donnions les preuves. Tous ces terroristes-là sont créés, armés, entretenus par des forces étrangères. Mais cette humiliation, à partir de la rectification, c'est notre ministre des Affaires étrangères qui parle. Avant, les Maliens ne savaient même pas qu'on avait un ministre des Affaires étrangères là-bas. Vous rappelez, pendant 7 ans, tous les 6 avril, il y a une fête de l'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad à Kidal. Et la MINUSMA a frais des avions. Tous les ambassadeurs s'en vont. Et en 2017, il y a un représentant de la MINUSMA qui a même eu le culot de souhaiter la bienvenue à la délégation malienne à Kidal, sur nos territoires. Je crois que les gens ont oublié tout ça. Moi, je n'ai rien oublié, parce que je note tous les jours ce qui se passe. Donc, j'ai simplement regardé mes archives, parce que ces humiliations, nous n'allons jamais les oublier. Pendant 7 ans, les morts ne se comptaient pas. À Diabali, au Ogassago 1, au Ogassago 2, Boulkesi, Konna, Sabando, Ndeliman, etc. Les gens ont l'impression d'oublier tout ça. Mais tout ce qui est organisé ça, vous voulez que sans autre forme de procès, on dit qu'on va négocier? Mais on n'a fait que négocier pendant 30 ans. Ça n'a mené que des morts. Donc quand je vois des gens sautiller dans les médias ou des has-been politiques venir dans des réunions nous dire « Ah, la force seulement ne suffit pas. » Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour savoir que la force seulement ne suffit pas? Mais un État, c'est la force et le droit. Tant qu'il y a des Maliens qui veulent s'imposer aux autres,
il faut que l'armée joue son rôle. Et ce défaitisme qui consiste à commander la paix, nous ne sommes pas preneurs. L'État, c'est le droit. Et la justice malienne est en train de se réorganiser. Elle est en train de traquer les criminels à col blanc, ceux qui tuent. Vous avez vu dans les médias récemment, on a pris des gens avec 600 000 euros à l'aéroport ici. L'autre jour, c'est un aéroport d'un pays voisin qu'on a pris des gens qui transportaient 500 millions de francs CFA dans des valises. Donc il y a tout un réseau qui est organisé et leur relais nous infiltre. Ils infiltrent l'armée. Ils sont là avec des discours spécieux pour nous tromper. Soyons vigilants. Nos contradictions, gérons-les. Nous ne tombons pas dans l'erreur des Soudanais. Vous avez vu les Soudanais? Les autres ont fait plusieurs années pour les diviser. Quand ils ont divisé, ils ont eu le Soudan du Nord. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plus de 10 ans pour dire la démocratie, la démocratie. Après, on a trouvé des femmes, des jeunes, des intellectuels qui se sont mis dans la rue. Démocratie, démocratie, démocratie. Et puis certains militaires ont suivi cette chanson. Ils ont renversé le régime. L'étape suivante, c'est ce que certains sont en train de faire ici. Créer des bis-bis entre les militaires et les civils. Les militaires sont tombés dans le piège. Ils ont renvoyé les civils. Et le pouvoir est resté seulement entre les militaires. La finalité, les militaires se sont bagarrés. Mais où se trouve leur pays aujourd'hui? Le pays est détruit. Tous ceux qui réclamaient la démocratie là sont morts ou ils ont fui. Les autres sont réduits à courir pour chercher des alliés. Mais le Soudan, ils l'ont détruit. Faites attention. Tous ces faux soutiens de la transition qui sont chez nous, leur objectif, c'est de faire échouer la transition. Nous allons, eux, les faire échouer. J'ai dit plusieurs fois, toute personne, tout groupe qui essaie de trahir la transition, allez, Rebetchou, Inch'Allah. La transition malienne, c'est une bénédiction de Dieu. Toute l'Afrique est en train de nous regarder. Nous n'avons pas le droit à l'échec. Et c'est pour cela que nous devons rester vigilants. Je ne le cesserai jamais de le dire. Regardons autour de l'Afrique. Comment ça se passe? J'ai reçu dans mon bureau des Africains venus des pays développés. Des délégations qui ont des nationalités de ces pays. Mais il y a des Noirs qui m'ont abordé après. Ils m'ont dit, à cause de Dieu, faites tout pour ne pas échouer. Tout le monde regarde le Mali. Toute l'Afrique regarde le Mali. Tout le monde progressiste regarde le Mali. Vous croyez que ça tombe dans l'oreille d'un sourd? Lorsque donc un ignare triomphant, comme je les ai appelés, sort pour me lancer des flèches, vous pouvez d'ailleurs comprendre pourquoi je ne me perds pas mon temps à lui répondre. Comme je l'ai déjà dit, un homme public, il faut vous battre avec vos idées. Traîner des contradicteurs devant la justice, c'est une preuve de faiblesse. Traîner la presse devant la justice, c'est une preuve de faiblesse. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde que personne, tant que j'ai le même raisonnement, ne me verra jamais amener un homme politique en justice ou un journaliste en justice pour ses idées. Je le combats avec mes idées. S'il a tort, il finira par être grillé. Je ne donne pas des airs. Vous avez entendu ceux qui ont attaqué le Premier ministre ici, là, depuis 3 ans. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ou bébé ou Okono? Ou bien certains se sont tués ou sont portés disparus de la scène politique. Vous entendez des gens qui viennent, ils prennent des contradictions, ils sautillent là-dessus. Mais les contradictions, c'est les sources du progrès. Dans un groupe, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de progrès. Mais Abdelkader Mega que vous voyez, et Bouba Traoré, ceux qui sont dans le M5 le savent, au début du M5, mais je ne m'entendais pas avec eux. Et Abdelkader, c'est un homme direct. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec vous. J'ai dit, petit frère, viens à la maison, on va échanger. Quand on a échangé, c'est un homme de bonne foi. Il dit, bon, je vais remarquer. Mais Bouba que vous voyez là, mais au début, même quand je parlais, Bouba ne voulait même pas entendre au M5.
jusqu'au jour où le M5 RFP a rencontré le président de la République. Et j'ai parlé ce jour au nom des forces regroupées au sein du M5. Quand je suis sorti, Bouba m'a pris par la main. Bi dogo, bi konin sonye. C'est à partir de ce jour qu'on a commencé à se comprendre. Moi, j'aime les hommes entiers. Mais s'il y avait des ignares triomphants là-bas, ils allaient me dire, ah, attention, hein, Bouba là, il ne t'aime pas, Kader là, il ne t'aime pas. Un jour, au sorti d'une réunion du M5, quelqu'un m'a abordé, il a surpris des gens en train de mal parler de moi. Donc, il faut se méfier d'eux. J'ai dit, mais attention, mais ta femme et tes enfants, est-ce que souvent, ils ne te cassent pas les sucres sur le dos quand tu n'es pas à la maison? Parce que les enfants veulent des beaux habits, toi, tu n'as pas l'argent. Ou bien, madame veut aller à une cérémonie, tu n'en as. Mais ils te frappent, est-ce que ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas? J'ai dit, mais c'est leur avis. Il faut gérer les contradictions entre les hommes. La société politique n'est pas une caserne. Et d'ailleurs, tous les gens que vous voyez trop polis pour être honnêtes, d'après Modibo Keïta, quand vous voyez quelqu'un qui est d'accord avec tout là, c'est un traître. Le président Modibo Keïta les a appelés. Il dit trop poli pour être honnête. Et moi, j'ai suivi, je vous assure, pour éviter qu'on se trompe, j'ai pris chaque président qui a eu la chance de diriger le Mali. Je peux me tromper. J'ai regardé son parcours. Où est-ce qu'il a réussi? Quels étaient ses atouts? Où est-ce qu'il a échoué? Quelles sont les erreurs que nous ne devons pas commettre? Tous les présidents, Modibo Keïta, avant lui, Fili Dabo Sissoko, Mamadou Konaté, Modibo Keïta, Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Amadou Aya Sanogo, John Kounda Traoré, Ibrahim Boubacar Keïta, Assimi Goïta. Je regarde tous ces présidents et tous les matins, je prie Dieu de ne pas m'amener à commettre une erreur fatale. Parce que nous avons une obligation politique, historique dans cette affaire de M5. Nos partenaires militaires, c'est la chance du Mali. Parce que je ne suis pas sûr que dans l'espace politique, c'était facile de trouver des jeunes de 30, 40, 50 ans qui ont une conscience patriotique élevée. Et donc, s'ils flanchent quelque part, nous devons accepter, nous devons encaisser. Parce qu'ils sont le produit de leur âge. Je suis sûr qu'il y a certaines choses qu'ils font aujourd'hui. Quand ils auront 60 ans, ils ne vont pas les faire. Et donc, quand je vois que quelque chose ne va pas, je me dis, ah, il faut encaisser. Il faut accepter. Aïkoto Nyongontala, pour qu'on avance. Certains souhaitaient que ça n'arrive pas. Dès le début de la transition, certains voulaient qu'on transforme le M5 en effet en un mouvement d'opposition aux militaires. J'ai dit non. Bora. À la veille de l'embargo, ils sont venus démarcher les jeunes du M5 pour dire que quand il y aura l'embargo, le régime va tomber, il n'y aura rien. Oubora, chez Moulika Bafanga. Il y en a qui ont dit aux jeunes, le pouvoir ne dépasserait pas 3 mois. Deuxième étape, le premier ministre tombe malade. Des gens très polis s'organisent pour tromper les militaires, profitant de leur jeunesse et leur mauvaise analyse, bien analyse erronée de la situation politique. Ah, le premier ministre, il veut être président. Il veut tromper les militaires. Il croit qu'il est né pour être président. Vous croyez que c'est quelqu'un qui choisit d'être président? C'est Dieu qui décide. C'est lui qui doit être président, là. Il y a 3 ou 4 ans, est-ce que quelqu'un pensait que j'allais être ici pour parler devant vous comme premier ministre? Jamais. Personne n'avait pensé qu'Assimi Goïta allait être là. Il était au front. Il côtoyait la mort. Tous les militaires qui sont là aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait entre 15 et 18 ans au front. Côtoyer la mort. Pendant que d'autres étaient ici à Bamako, dans les courtes, dans la corruption, dans les terrains, dans les vols. Et dans les combinaisons avec l'étranger. Mais s'ils viennent, je dois leur faire confiance. S'ils font des erreurs, je dois attendre de comprendre. Si on a l'occasion, on s'explique. S'ils ne veulent pas qu'on s'explique, je les laisse. Le bénéfice de l'âge doit jouer.
nous avons une responsabilité morale, historique, particulière dans la transition au Mali. C'est pour cela qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vous dis, acceptons, avançons. Ceux qui sont dans l'erreur vont comprendre. Je suis convaincu qu'à la fin de la transition, la sagesse va prévaloir. Nous allons nous retrouver avec vous et avec d'autres pour dire comment la transition malienne doit continuer. Mais est-ce qu'on a besoin de rentrer sur Facebook, sur Internet, faire du boucan pour trouver le chemin pour le peuple malien? Pas du tout. C'est dans la sagesse, dans la réflexion, dans la patience, qu'à Koto Nyongontala, c'est en ce moment que les choses vont changer. Certains sont venus dire, on va changer le Premier ministre. J'ai entendu même quelqu'un dire, mais Hassimi n'a qu'à prendre ses responsabilités. On n'a qu'à changer le Premier ministre. Vous croyez qu'on a ramassé le Premier dans les caniveaux? Vous croyez que Hassimi Goïta a usurpé son pouvoir? Le président de la transition du Mali a une légitimité historique. Parce que c'est les militaires, ceux qui ont parlé au nom des militaires qui l'ont choisi. C'est à eux de dire s'il est bon ou non. Pour l'instant, nous on est contents de son travail, mais de quoi on va se mêler? Et de quoi ces ignares triomphants là vont se mêler sur le choix du Premier ministre? C'est eux qui l'ont choisi. Mais le président était le produit d'un double consensus. Légitimité historique, les militaires étaient d'accord sur lui. Le M5 a accepté. Donc c'est le président. Le Premier ministre, c'est la même chose. On n'a pas été avec un filet cherché dans les caniveaux ou bien dans le fleuve Niger pour trouver quelqu'un. Mais il est le produit d'un double consensus. Mais quand ce consensus existe, pourquoi un énergumène va aller dans les médias? Ah, mais Hassimi, quand est-ce qu'il a été? Il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais toi, tu n'en as même pas. Tu demandes à Hassimi de prendre. Tu n'as même pas de responsabilité. Donc, je voulais vous dire que nous avons une tête claire. Tout ce que je vous demande, c'est la confiance. Je vais tout faire pour ne jamais décevoir votre confiance. Et si quelque chose ne va pas, il vaut mieux me le dire. Il y a des gens qui ont été en détention ici, mais avant qu'on les arrête, moi je les ai appelés pour les dire ce avec quoi je n'étais pas d'accord, mais on dit ailleurs, oui, c'est le premier qui a dit de dire. Je ne me mêle pas de ça, je respecte tous les cadres. Parce que je sais qu'in fine, il y a Dieu qui est avec cette transition. Personne, je dis bien, ne va nous conduire dans l'erreur. Tous ceux qui veulent faire échouer la transition, c'est eux qui vont échouer. Tout ce contre quoi le peuple s'est levé, s'est battu. Celui qui va contre ça, le peuple va le combattre. Mais pour l'instant, dans les grandes lignes, les Maliens sont satisfaits. Maintenant, on est dans une situation géopolitique, géostratégique, internationale, où on ne peut pas tout avoir tout de suite. Tous ces messieurs qui disent la paix, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, quand on organise la cérémonie d'indépendance de la République fantomatique de l'Azawad, quand on embarque les officiels, on dit aux représentants du Mali, les ministres, il ne faut pas aller avec les drapeaux du Mali. Hein. On a subi cette humiliation ici. Mais les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, entendre, où est-ce qu'ils étaient en ce moment? C'était Doere Bafoko, je vais minander nous. Ils n'étaient même pas là. Parce qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé en ce moment. Nous avons tout suivi. Ces humiliations, nous n'allons jamais les subir. Les ministres passaient la journée à l'aéroport pour avoir un avion. Le soir, on leur dit de retourner. Aujourd'hui, quand un ministre voyage, quand c'est nécessaire, c'est les femmes qui le transportent. Il y a des parties du territoire où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, il n'y a aucune partie du territoire où nous ne pouvons pas aller. Maintenant, quand nous tombons dans des embuscades, il y a certains qui s'en réjouissent à peine, mais comme c'est des grands démagogues, ils reviennent chercher dans les discours de 30 minutes
Est-ce qu'il y a une minute où quelqu'un a flanché? On prend ça, on zoome ça et puis on sort. Méfiez-vous de ces gens déjà. C'est ce qu'on appelle la troisième colonne. Ils sont plus dangereux que ceux que vous combattez à visage découvert. Ils vous approchent. Ils font semblant d'être avec vous. Et demain, que Dieu nous engage, si le régime change, c'est les premiers à les fêter avec les nouveaux régimes. Je voudrais vous remercier encore de la confiance que vous portez au gouvernement de transition, du soutien au gouvernement de transition. J'ai toujours dit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne doivent pas être négociables. La patrie au-dessus de tout. Je suis de gauche, de droite, de tel parti, partisan de ATT, de IBK, de Moussa Traoré, de Modibo Keïta. Tout ça, c'est des discours. La patrie. Il ne faut jamais que nous clignotons à droite et virer à gauche. Parce que certains font, ou certains veulent faire. Clignoter à droite, mais ils virent à gauche. Quand le peuple va se rendre compte que vous l'avez trompé, il va vous rattraper. Deuxième chose. Il faut aimer, soutenir et sacraliser les forces armées de sécurité. Un État sans armée n'existe pas. Historiquement, tous les États qui se sont fondés, c'est sur le modèle militaire. Quand un chef d'État affaiblit l'armée, il est là pour détruire. Troisième chose, dites toujours la vérité. Ne mentez jamais. Parce que si vous mentez, ça va vous rattraper. Il y en a, vous savez, on sort leur vidéo, il a dit ça aujourd'hui, voici ce qu'il a dit hier. Allez-y, prends mes vidéos depuis plus de 30 ans. Vous n'allez pas voir les contradictions là-dedans. Parce que j'essaie de ne pas mentir. Tout ce que j'ai dit, j'essaie d'avoir les preuves. Si je n'ai pas les preuves, je n'en parle pas. Donc, et enfin, celui que Dieu, à qui Dieu a donné la chance d'être à la tête du pays, il faut le respecter. Jusqu'à ce que Dieu en décide autrement. De toute façon, beaucoup pensent que le destin des présidents et des premiers, c'est dans leurs mains. Mais ils se trompent, c'est dans les mains de Dieu et du peuple. Le jour où Dieu et le peuple en décideront autrement. Mais avant ça, il faut le respecter. Il ne faut jamais traîner le président dans la boue. Ça n'a jamais apporté du bonheur. Vous voyez aux États-Unis, un des grands pays, quels que soient les crimes que leurs présidents font, une fois qu'ils quittent, ils les laissent. Ça n'apporte rien. Le fait même de quitter le pouvoir, ça c'est la sanction suprême. Voici les conseils que je voulais vous donner. Téléchargez notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique. Créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien en description.